vont faire dans le lit. Ah, trop près à côté. C'est très haut aussi. Bon, les gars, prenez vos cessets. Faites gaffe, je vous rappelle le mail qu'on a eu à l'aéroport. Viens, moi, je me suis retrouvé tout seul pendant deux jours. Ouais, non, mais pendant deux heures, j'avais mis les attaches. Bon, le bureau de Kay, c'est celui de droite. Oui, c'est celui de gauche. Ah ah ah, entre vos propos, c'est ici. Bah, Kay, on peut dire que vous tombez vraiment mal. Rien à rajouter, hein, le petit boulot. Non, je crois que c'est bon, là. Un peu oublié. C'est bon, ouais. Hein, c'est ce que je vais donc. Bonne journée. Oh, non, mais c'est pas possible. Non, franchement, il va falloir te reprendre, hein, mon petit père. Qu'est-ce que je t'avais dit? La prochaine fois que tu me ramènes un bulletin comme ça, qu'est-ce que j'avais dit? Ma mère, qu'est-ce que j'avais dit la prochaine fois que tu nous ramèneras un bulletin comme ça? T'avais dit. Si, attends, je te vois là, t'étais encore assis dans la cuisine. T'avais dit. Merci. Non, mais ça fait plaisir de se sentir écouté. Oui, bah, qu'est-ce que t'avais dit alors? Je sais plus ce que j'avais dit, voilà. C'est... Bon, bah, t'as gagné, voilà. Confisqué de téléphone, là, pendant 15 jours. Ah. Oh, tu veux en chatter? Oui, elle m'a privé d'ordi et de console pendant 15 jours également. Elle m'a déjà acheté. Et interdit d'aller voir Sim et Ludo après les cours pendant deux semaines. Elle m'a déjà aussi la cassée. Attention, Ludo. Ne pousse pas à bout. Tu sais, je serais capable de t'envoyer en pension, moi. Ça y est. Je me rappelle de ce que j'avais dit. Ah non, privé de gel pendant 15 jours. Non, papa, je t'en supplie, ne me fais pas ça. Je te promets, je vais travailler, je vais faire tous mes devoirs, je vais avoir des super notes, je vais me reprendre en main, mais ne me fais pas ça, je t'en supplie, j'ai une réputation. Fin de la discussion. Et le soir, quand tu rentres, que je vérifie si tu ne m'as pas dans les cheveux. Voilà ce que j'avais dit. Imagine-toi qu'ils m'ont puni, quoi. Ils m'ont enfermé dans ma chambre comme si j'avais 8 ans. Bon, qu'est-ce que tu veux, là? J'ai le droit de voir personne. Quoi, toi aussi? Ouais. Mais ta chambre, elle est au fond du couloir, Chucky. Et puis, il y a de la pêche, hein. Tu vas voir. On s'y fait vite, elle a raison. Je peux rester dans ta chambre. C'est ça, ma chambre. Quoi? Une blague? J'entends mon seul cri. Ils font de ma chambre en bureau. Je voudrais dormir. Ici. À lui. Quoi? Une blague, j'espère. Je suis là, 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 je suis